Oh Paris, oh Paris, la 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 la, enfantin une paire d'œil fou, la 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 la, oh Nasser, la 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 la, enfin tu te fais respecter, ouais. Oh Paris, la 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 la, enfin t'as une paire d'œil cou, la 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 la, oh Nasser, la 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 la, enfin tu te fais respecter, ouais. Où sont mes gringos? FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ah, je vous voyais les gars, vous attendiez que je sorte la vidéo en pleine nuit. Les gars, j'ai une vie, il faut dormir, hein. Je suis pas un piranha, dès qu'il y a un truc, boum, direct, tu vois ce que je veux dire. Bref, bon week-end à toutes et à tous, bien évidemment, s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Alors, je vais pas tourner autour du pot, Kylian Mbappé au placard, Kylian Mbappé mis à l'écart, Kylian Mbappé ne fera pas partie du voyage avec le Paris Saint-Germain pour cette tournée au Japon aujourd'hui, décollage. Alors si, il y avait un Mbappé dans la liste, mais c'était Ethan, c'était pas Kylian. Alors tu te doutes bien que cette annonce hier soir a fait l'effet d'une bombe médiatique, une bombe sur les réseaux sociaux, notamment sur la poubelle des réseaux sociaux. Twitter et les personnalités, même des Marseillais. Hein. Alors vous le savez, le OP, il n'a pas pour habitude de charcler du Marseillais. Hein, je reste à ma place, de temps en temps, on envoie un petit pic quand c'est les classicos, etc. Mais là, le Marseillais Matt Pokora, frérot, s'il te plaît, retourne faire Robin des Bois, recrée le groupe Link Up, mais lâche mon club et lâche nos joueurs. Poto, il y a ta star, Dimitri Payet, la star sans trophée, qui vient de partir, mais toi, faut que tu viennes parler de mon club. C'est incroyable. Retourne chanter et arrête de nous casser les couilles. Bref. Ah non, mais c'est un truc de fou, ils viennent tous là raconter leur salade. Et l'autre, il baragouine, oui, c'est un joueur extraordinaire, le Paris Saint-Germain. Ferme ta gueule. Bon, ouais, je suis énervé, les gars, je suis énervé. En tout cas, c'était prévisible, hein, cette situation-là. Aujourd'hui, si on en est là, bien évidemment, je le répète. Non, parce que sur YouTube, il y a des gens qui ont une double audition. Donc, faut bien que je le répète. Si on en est là aujourd'hui dans cette situation, bien évidemment, le Paris Saint-Germain a une grande part de responsabilité. Kylian, de son côté, aussi a des responsabilités. Je suis désolé, mais quand il fait cette photo 2025 avec Nasser, alors qu'il sait pertinemment qu'il ne va pas aller jusqu'en 2025, eh ben, il est complice de ce mensonge, qu'on le veuille ou non. Il accepte de mentir aux yeux de tous. Je suis désolé, les gars. Il est aussi responsable de cette situation. Kylian Mbappé, on l'a mis au-dessus, on lui a tout donné. On l'a mis même limite au-dessus du soleil. Vraiment, on en a fait une icône au Paris Saint-Germain. Chose que le Paris Saint-Germain n'aurait pas dû faire, je le conçois. Mais voilà, lui, j'ai l'impression qu'il joue de cette situation. Il joue vraiment, il en profite en fait. Et c'est là où je lui en veux. Maintenant, il a un contrat. Il est tout à fait dans son droit d'aller jusqu'au bout. Mais le Paris Saint-Germain est aussi dans son droit de réagir comme ça. Alors c'est bien facile de taper sur le PSG, et de dire Kylian Mbappé est le gentil garçon et le Paris Saint-Germain est le méchant de l'histoire. Mais les deux ont des torts, les gars. Les deux ont des torts. Maintenant, Kylian Mbappé, paraît-il qu'il soit... Bon, ils disent qu'il est en colère ou je ne sais quoi. Lui, en tout cas, il n'a pas communiqué là-dessus. Paraît-il qu'il va accepter sa condition et qu'il serait prêt à s'asseoir sur le banc ou en tribune pendant un an sans jouer. Je doute fortement que ça va se passer comme ça parce que, n'oubliez pas, il y a l'Euro, il y a les JO. Kylian, c'est un compétiteur, c'est quand même un grand joueur. Et rester un an sans jouer... Ça fait mal au guibol, poteau. Et puis, il y a l'équipe de France, etc. Donc, c'est quand même très spécial comme affaire. Hein. Maintenant, le Paris Saint-Germain est vexé. On connaît nos dirigeants, l'émir, Nasser. Quand ils sont vexés, les mecs sont rancuniers. Et je peux vous le dire, le Paris Saint-Germain ne va pas changer son fusil d'épaule. Tu vas rester sur le banc toute la saison si c'est décidé comme ça. Déjà, cette mise à l'écart, qui l'avait vu venir ? Personne, tout le monde me disait, le PSG, ils se font chier dessus, on s'en fout, personne les respecte, tu vas voir, Kylian, il va venir, et machin, ils vont le mettre devant, ils vont tout lui... Eh ben non, c'est terminé. Et ça, il faut le saluer, et je l'applaudis. Je l'applaudis, les gars. Enfin, on a un club qui assume, enfin, on se comporte comme un vrai club de football. L'institution avant tout, le club avant les joueurs. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aussi, mes humains. Il y a un moment donné... Faut penser aux intérêts du club, même si le club fait n'importe quoi, c'est toujours le club en premier et pas les joueurs. Les joueurs transitent, ils viennent, ils partent, c'est comme ça. En tout cas, pour revenir à Kylian Mbappé, déjà, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Parce que Luis Enrique, quand il va aller au Japon, notamment aujourd'hui, ils prennent l'avion, quand il va se retrouver au Japon,
Et ben je me dis que finalement, il va pouvoir lui travailler avec un groupe. Je vais m'expliquer. Kylian Mbappé, on est dépendant de lui, qu'on le veuille ou non. On a une grosse dépendance à la Kylian Mbappé. Malheureusement, c'est comme ça. Kylian Mbappé te déboulonne un match, tu le fais rentrer, il percute, il court vite, il dribble, il met des buts. Bref, énormément de qualités qui font qu'il y a une certaine dépendance avec ce style de joueur, et notamment Kylian. Là, Luis Enrique, il est au Japon, il va avoir un groupe sans Kylian Mbappé, donc il va vraiment pouvoir se focus sur le collectif. Et pas se focus sur le collectif pour jouer autour d'un joueur. Là, ça va être le collectif, le collectif. Donc je me dis, c'est quand même bien. Il va vraiment pouvoir travailler sur l'aspect collectif. C'est ce qu'on demandait. Hein, on voulait du jeu, on en avait marre des individualités. Eh bien, c'est chose faite. On va voir ce que ça va donner. On verra bien. En tout cas, cette situation, les gars, elle est bonne pour personne. Passons, les gars, attendez-vous à ce qu'on se fasse charcler de partout. La presse va nous en mettre plein la tronche. Bon, bah, c'est comme ça, on va accepter notre condition. En tout cas, moi, personnellement, je me range du côté du club. Je suis content de cette décision. Content pourquoi ? Non, pas parce que, oui, ça va faire des histoires et tout, c'est pas ça. Mais c'est enfin, le Paris Saint-Germain assume et il y a des actes forts. Et c'est ce qu'on a demandé. Parce que les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est beaucoup mieux. Et là, le Paris Saint-Germain a fait preuve de courage, a pris ses coronesses, comme on dit, et les a posées sur la table. Bref, vous allez me dire, justement, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Est-ce que le Paris Saint-Germain a bien fait de réagir comme ça ? Ou le Paris Saint-Germain se trompe ? Tout simplement, tu me dis en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, partage, like, et puis on s'attrape bien évidemment pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas ton chat la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est du test que j'incarne. Paris capital et la...